Bonjour, bonjour. Je vous retrouve pour un petit haul. Et pas n'importe lequel, un haul nose. Oui, vous n'aurez pas souvent l'occasion d'en avoir sur ma chaîne, vu qu'en Belgique, nous n'avons pas de nose. Mais que fait une scrapeuse, même quand elle part dans la région de Grenoble, dans des paysages magnifiques à couper le souffle? Eh bien, elle passe chez nose. Eh oui, ça me démangeait, je voulais aller voir. Je pense que je suis arrivée un jour trop tôt ou un jour trop tard parce que j'ai entendu sur les vidéos de certaines youtubeuses crapeuses qu'il y avait de chouettes arrivages. Mais bon, voilà. Juste avant de vous présenter ce que j'ai trouvé à Noz, parce que ben oui, vous doutez bien que j'ai quand même trouvé des petites choses, je vous présente juste les 3-4 petites choses que j'ai prises tout à l'heure chez Action. J'ai plus les prix. Mais c'est des basiques. En fait, j'espérais trouver les nouveaux dice que je n'ai toujours pas trouvés. Donc, j'ai repris tout simplement de la colle. J'ai repris deux packs d'encre à alcool. Voilà. Je suis désolée si la lumière n'est pas bonne, mais évidemment, on est le soir. Et j'ai pris celui-ci. J'avais pris que les pastels, mais voilà. Malgré que je n'ai pas encore eu le temps de les tester, j'ai entendu de bons échos. Et comme j'adore bah, ce qui ressemble au pen pastel, en fait, voilà, en art journal essentiellement, je me suis dit que ces couleurs-ci viendraient compléter ceux que j'ai et les pastels également. Voilà, chez Action, bah, c'est tout. On va donc bah, attaquer par nose. Alors, j'ai deux petites choses qui ne sont pas du tout du scrap, mais bah, j'ai craqué, hein, tout simplement. Je sais pas si je vais savoir vous la présenter convenablement, parce que j'ai pas beaucoup de recul là où je filme, mais j'ai craqué sur une longue jupe. Bon bah, ouais, vous voyez pas grand-chose, voilà. C'est un petit peu drapé. Elle a pas la même longueur devant que derrière. Voilà. Il y a tout le long une petite broderie comme ceci. Petite ceinture à la taille. Et bah, vous me croyez ou pas, j'ai payé cette jupe que je trouve vraiment magnifique, même si là en vous la présentant, c'est peut-être pas génial. Vous voyez, là c'est clair, là c'est foncé, 3,50 €. Voilà, c'est la seule qui restait. Elle m'attendait là sagement. Ensuite, des chaussettes Lee Cooper. Voilà, ça c'était essentiellement. Bah, c'est pas essentiellement, c'est pour mon fils. Il y a 10 paires. Alors, j'ai payé 7,99 € à la place de normalement prix plein 24,90 €. Donc, la bonne affaire également. Et enfin, toujours pas scrap, je me suis trouvé à 75 centimes chacun deux petits vernis. Donc celui-ci, je ne sais pas si ça rendra bien, mais il est bleu. Et ici, c'est un bordeaux. Ça fera peut-être brun l'écran, mais c'est un bordeaux un peu foncé en fait. Donc voilà. Ensuite, on commence en loisirs créatifs. J'ai trouvé des en Vassen créatif, trouvé des petits sachets de sequins. Alors, nous avons du violet pâle, du bleu et du couleur un peu bronze. Ah oui, je vous dis les couleurs parce que je sais pas comment ça va sortir. Donc voilà, je sais pas combien il y a de grammes, mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et j'ai payé 39 centimes chaque paquet. Et en fait, c'est surtout ces couleurs-ci. Ici, c'est un vieux, enfin un mauve très pâle, mais je le trouve vraiment magnifique. Ici, c'est un bleu, ni clair, ni foncé, en vrai. Bon, ici, les bronzes, voilà, ça c'est juste parce que j'en utilise plus, mais des bronzes, il en restait plein. S'il y avait eu plus de petits sachets de ces couleurs-là, j'en aurais pris plus. Donc voilà. Alors, ensuite, j'ai tout simplement craqué sur des rouleaux de washi. Alors, voilà.
Bon, ces deux-ci, c'est les mêmes, mais par contre, bah oui, ces deux-ci aussi. En fait, il y a juste celui-là qui diffère. Là, vous avez les fleurs roses, là, vous avez les fleurs en jaune. Et les washi étaient, ben j'en sais rien, une décote de 65%. C'était 2,50 € à la base, moins 65%. Donc voilà. Ensuite, ça, il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup, mais j'ai été hyper raisonnable parce que j'en ai déjà beaucoup. Il y avait des bobines comme ceci. De satin, de plein, plein, plein de couleurs. Et ça, il y en avait vraiment beaucoup. C'est la marque Sujetex. Elle fait 25 mm sur 4 mètres. Donc, j'ai pris un violet et ici, c'est un rouge un peu foncé. Et j'ai payé 79 centimes la bobine. Ensuite, j'ai trouvé de la laine pilou pilou. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça. Vous savez, la laine un peu. Voilà, ouais, pilou pilou. J'adore faire mes attaches de tag avec ce genre de laine. Bon, c'est quand même une grosse bobine. C'est bon, l'acrylique, mais voilà. J'ai payé 99 centimes la grosse bobine. Et par contre, l'étiquette est collée dessus. Donc, je ne sais pas vous dire combien il y a de mètres, mais bon. Voilà, c'est assez gros. Ensuite, pour rester dans les rubans et ce genre de choses, j'ai craqué sur deux rubans, toujours en Vassen Créatif. Alors ici, on est dans du 100% coton. Alors celui-ci, ce sera pour Noël. Voilà. Il y avait la même en rouge, mais j'ai préféré la grise et c'est 1,99 €. Et il y a 20 mètres. Donc, j'ai de quoi faire. Et la deuxième, là j'ai aussi hésité. Il y avait celle-ci ou l'autre sur le thème de la couture. Mais bon, fin de vacances, je devais être raisonnable. Donc, toujours Vassen Créative. Dans ce cas-ci, 25 mètres. Toujours en coton. Et là, on est sur les écritures vintage. Donc voilà, et il y avait donc la même, cette grosseur-ci, mais en vintage aussi, mais tout sur la couture avec des machines à coudre. Voilà. Mais moi j'ai donc choisi celle-ci et celle-là c'était 2,50 €. Et là j'ai pas les prix de départ donc je ne sais pas vous en dire plus. Ensuite, ça aussi, il y avait pas mal de paquets de cette sorte-ci. C'est toujours Vassen Créative. Alors, on a ces fleurs-là. On a les mêmes en un petit peu plus petit. Et on a les papillons qui vont avec. Voilà. Et bon, vous allez dire que je pense loin, mais regardez le fond qui est réutilisable. Et donc ça, 1,99 €. Je ne sais pas s'ils mettent le nombre de pièces. Je pense pas. Mais bon. Il y en a les fleurs à vue de nez. Je pense qu'il y en a au moins 3 de grandes. 3 de chaque grande. Au moins 3 de chaque petite. Et les papillons. Je crois qu'il y a 4 sortes de chaque papillon. Ça brille, hein. Je suis désolée avec le papier. Voilà. Alors. La bonne affaire, je pense, j'ai trouvé une triple matrice de découpe en marque 6X à 3,99 €. Ça coûte cher, généralement, ces matrices-là. Donc, vous avez l'espèce d'arabesque ici, le Hello, j'aimais beaucoup la forme du Hello, et les fleurs. C'est du 6X, donc voilà, mais c'est les grosses matrices. Comme ceci. Bon, moi je n'en ai qu'une, mais généralement ça coupe très 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 bien. Bon, ici vous voyez juste l'exemple de fleurs. Vous avez un des papillons et l'arabesque. Bon, on voit pas l'arabesque, mais voilà. Je trouvais ça très intéressant. Si vous prenez la peine de regarder le prix des triples matrices en grosse matrice en 6X, ça valait vraiment
le coup. Alors, j'ai également trouvé ceci. Bon, ça aussi, il y en avait vraiment de plusieurs couleurs. Mais bon, c'était juste histoire de me faire plaisir. J'ai pris des petits nœuds gris. Il y avait deux ou trois couleurs différentes. Ils sont à 99 centimes et il y a 12 pièces. Et c'est du satin. Voilà. Et c'est Hobby Office. J'ai craqué sur deux planches de tampons. Creative Collection. Je ne connais pas. Ah si, c'est Vassen Creative aussi. Je viens de le voir à l'arrière. Donc 1,50€ par planche. Bon, je vais peut-être vous les montrer une par une. Donc il y a celle-ci que je trouvais très originale. Regardez, petit oiseau avec le sac à main là. Ici aussi. Menu. Surprise. Et le mot du milieu, c'est invitation. Donc, à mon avis, c'est axé mariage, mais je l'ai trouvé vraiment trop trop sympathique. Et j'ai craqué également sur cette planche-ci. Alors là, nous avons battement d'ailes. Ange et démon, si je lis bien. Love de voyage, liberté chérie. Et dernier article, n'est pas des moindres. En Belgique, je n'en trouve quasi nulle part. Et quand j'en trouve, c'est hors de prix. J'ai trouvé des. Je ne sais même pas si ça va rentrer dans le champ. Des grands papiers mousse, comme ceci. Elles font 2 mm d'épaisseur sur. Bah c'est 30 sur 45. Je ne sais pas exactement combien il y en a dedans. Je vais essayer de voir si je peux voir sans ouvrir. Désolée pour le bruit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7 ou 8 couleurs différentes. Voilà. C'est aussi en Vassen Créative. Et j'ai payé 1,50€. Voilà pour mes petits achats chez Nose. J'étais bien contente de pouvoir découvrir ce magasin et d'avoir pu acheter les petites choses que j'ai achetées. Voilà, bien écoutez, c'en est tout pour la présentation de mes achats. Oh, je vais juste vous montrer une petite chose. Rien à voir avec le scrap, rien à voir avec Nose. Mais je les trouve trop magnifiques. J'ai trouvé mes chaussons pour l'hiver. Mais ça vient de la montagne. Voilà. Je les trouve juste magnifiques. Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, vous aurez à gauche, à droite, compte Facebook et Instagram. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous avez pensé des achats, si vous avez trouvé. Peut-être le reste en Vassen Créative, si vous avez été peut-être avant moi ou après moi. Voilà, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. La petite cloche si vous voulez être averti des prochaines vidéos. Et en attendant, je vous laisse là. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des scraps. Bisous. Bisous, bisous.